effet 6 militants syndicalistes de AGNO, 4 de la CGT, 1 de Force Ouvrière, 1 de Solidaire Alsace, à être convoqués le 9 novembre prochain, c'est-à-dire mercredi, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour être jugés. Et je suis ici avec 3 autres camarades qui sont au fond de la salle, Lucette Oman. Murat Gunay et Grégory Gosse. Que nous reproche-t-on ? D'avoir manifesté pour le retrait de la loi travail, d'avoir aidé à la mobilisation pour le retrait de la loi travail, d'avoir rempli notre mandat syndical pour aider à la mobilisation pour le retrait de la loi travail. C'est pour cette seule raison que nous sommes traînés devant les tribunaux. Et qui nous traîne devant les tribunaux ? Il n'y a eu aucune plainte déposée. C'est le procureur de la République qui nous poursuit, le procureur, donc le ministre de la Justice, donc le gouvernement. C'est cela la Ve République. Dans notre département, il y a eu une réaction unitaire et forte de toutes les organisations syndicales. La CGT, Force Ouvrière, la FSU, Solidaire et même la CNT. Toutes ces organisations appellent à un rassemblement le 9 novembre devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Dans tout le pays, des dizaines de motions d'organisations syndicales, de fédérations, d'unions départementales, de syndicats, de sections syndicales, de la CGT, de Force Ouvrière, de Solidaire, de la FSU ont été prises. C'est le mouvement ouvrier qui se dresse pour la défense des libertés démocratiques.